Alors, la PRI, c'est une méthode nouvelle que j'ai développée il y a quelques années pour d'abord comprendre d'où viennent nos souffrances au quotidien. Parce que déjà, ce n'est pas évident de comprendre pourquoi est-ce que j'ai des réactions émotionnelles ou comportementales qui sont démesurées. Et après qu'on a compris d'où ça vient, la PRI nous donne les instruments pour s'en sortir. Alors c'est vraiment une méthode qui s'applique jour à jour, mais indépendamment d'une thérapeute. Alors on apprend les instruments, mais après on les applique soi-même. Les troubles comportementaux, par exemple nos peurs, nos colères, nos déprimes, nos stress, nos dépendances, la PRI les voit comme des mécanismes de défense qui en fait cachent des anciennes douleurs qui sont derrière ces comportements douloureux et difficiles au quotidien. Alors avec la PRI, on accède à ces anciennes douleurs. En fait, ils sont cachés dans notre cerveau émotionnel. Et la PRI nous donne l'instrument pour trouver le code, pour ouvrir ce cerveau émotionnel. Une fois quand on est là-dedans, on peut changer le contenu pour après revivre le présent tel qu'il est vraiment. Et ça, c'est à la portée de tout le monde qui veut faire ce travail. Et c'est simple et on peut vraiment y arriver si on l'applique au quotidien. Et ça ne va pas durer 20 ans non plus. Pour moi, vivre pleinement sa vie, ça veut dire que déjà on sort de plus en plus vite de tous ces comportements et émotions qui nous font souffrir au quotidien. Comme j'ai déjà dit, c'est la colère, c'est la peur, c'est la déprime, c'est le stress et ce sont les dépendances. Qu'on sort déjà de ça et puis qu'on continue le processus où on découvre de plus en plus en profondeur ce qui nous sommes vraiment. Et qu'à notre intérieur, il y a une source infinie à découvrir. Et ça, c'est une source qui nous lie pas seulement à nous-mêmes, mais qui nous lie aussi à tout qui est autour de nous. Et ça, c'est un processus magnifique que je pense tout le monde mérite de vivre comme ça.